Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église, pour les prédicateurs de l'Évangile, et pour tous ceux-là qui sont impliqués dans le travail de Dieu, les théologiens également, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière. Que faut-il faire pour recevoir le toucher de Jésus? La mission de l'Église. Quand l'Église est en flamme, autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954-515-2669. 954-515-2669. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier, vous inspirer. Parole, bon Dieu, matin, pour une trentaine de minutes, parce que c'est ça nous qui est devant nous. Je vais inviter à ouvrir le livre dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Verset 14, arrivé dans verset 17. Deux Corinthiens. 6, verset 14, arrivé dans verset 17. Je vais faire lecture là pour vous. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ma prière dans verset 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et quand du dimanche de matin, les tournées autour de sujet ça, la doctrine du changement, la doctrine du changement. Et, pas oublier, l'entendre le mot doctrine, songez bien son mot qui seulement le dit enseignement. Bible a enseigné changement. La vie chrétienne sans vie de changement. Le Jésus-Christ est contre Nicodème. Thème que tu utilisé pour parler de changement, ça, c'est la nouvelle naissance. Tu dit Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, ça qui implique, si faut naître de nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu, s'il faut une nouvelle naissance, cela implique que l'ancienne naissance, elle ne marche plus devant Dieu. Et la Bible parle de nouvelle naissance. Jésus-Christ est né Nicodème comme ça. Ce qui est né de la chair est chair. Et bien, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ainsi, la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. La raison qui fait que le nécessaire, c'est parce que la première naissance-là, elle était gâtée, elle était corrompue à cause du péché originel. Et le péché premier parent, nous transmet à nous-mêmes. Ainsi,
Bible qu'on met dans mon nom, c'est le livre du changement. L'église, son centre de changement. Enseignement qui saute dans l'église, son enseignement, changement. Et nous expliquer changement, ça a dans un terme que nous tous connaissons, la conversion. Pour entrer dans l'église de Jésus-Christ comme nous qui sauvé, il faut qu'on convertisse. Et thème ça qui explique le changement, ou convertir, ou changer. Et question matin, c'est en parlant de doctrine du changement, et qui ça a besoin de changer l'homme qui joint Jésus? Et comment on peut reconnaître pour changer? Et premier ça que nous joignons dans le passage du matin, c'est que changement, c'est qu'on va avec au diable, son bas est comme ouais. Sont les visibles. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit comme ça, si quelqu'un est en Christ, effectivement, il est une nouvelle créature. Étendez comment le changement expliqué. Il dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et premier bagage que nous écrivons là, l'homme a changé, si on nous dit que les recevoir Jésus-Christ et la vivre changement, côté mon nan converti à côté de changer à nous venons sur base spécialisée à premier bagage que le doit changer une nan premier bagage que le doit changer faut le changer amis il faut changer d'amis des pour mon gars dans la ville faut le changer amis gars amis il te gagner le pas gagner encore parce que nous autres là c'est exactement ça que l'apôtre Paul explique à chrétien corinthien parce que il y a une pigo maladie chrétien corinthien de gagner il dit il y a un bon Dieu et puis il y a toujours gagne même mal zami changer zami implique qui ça pas oublier leur converti ou joindre une nouvelle communauté la communauté de ceux qui ont la foi qui ont placé leur foi en Dieu ainsi changement marche avec le fait qu'on a une nouvelle communauté. En parlant concernant la doctrine du changement, l'homme dit le converti, les changer. Premier bagage à l'apôtre pour l'expliquer dans la doctrine ça. Premier bagage pour commencer à faire, sous changer tout bon, il faut changer d'amis. Il faut changer d'amis. Vous comprenez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14? Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un jour étranger. Pas oublier, fidèle, je l'ai dit, monde qui a la foi. Et dans un bagage, il y a un monde. Infidèle, c'est monde qui n'a pas la foi. Et ça, et peut-être ça, l'on convertit, il y a un fidèle. Bon, très souvent, mon Dieu, mal de bagage là, il dit, ça, c'est fidèle, pasteur, tel. Nous avons dit, ça, pas oui. Il dit, fidèle, pasteur, tel. C'est pas un bon bagage. Et bon, bon gentil, bon monde capable de dire. Il y a un monde qui est fidèle Jésus-Christ. Parce qu'on croit dans Jésus, parce que fidèle veut dire monde qui a la foi dans Jésus. Infidèle veut dire monde qui n'a pas la foi. Parce que dans la base de ça, c'est pistis à pistis. Pistis, c'est la foi. Et dans la langue grecque, là. À pistis, monde qui sent la foi. Et maintenant, dis-moi ça, monde qui est fidèle, yo n'a pas droit de mettre dans le même. Côté à monde qui est infidèle, les a parlé de jour, ou pas on est, ou même qui peut lever Haïti dans la province, ou pas on est bête, les met ton croc dans la tête, yo. Et soit pour labourer terre, soit pour faire marche ensemble, et parfois on met un jour dans la tête deux bêtes, côté que les, on met un jour, par exemple, si on prend deux bœufs pour labourer, pour qu'on dirige ou bien, on met un double jour pour façon que, pour que tête tous les deux rentrent même côté. Et puis avec un col à diriger, soit à droite, soit à gauche, il n'y a pas qu'à faire à aucune direction si toutefois ou pas mener dans la direction que vous voulez. Ainsi, ça qui implique, il y a un fidèle pas qu'à n'en même croire avec un infidèle. C'est ça que jour étranger a impliqué. Et il dit comme ça, pour mon qui veut comprendre bien clair, il dit comme ça, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice, mon qui doit. Avec mon qui n'est pas droite. Il dit, qu'y a-t-il de commun ou un commun entre la lumière et les ténèbres? Il dit,
Infidèle, c'est ténèbres, fidèle, c'est lumière. Et puis il dit, quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ouais, infidèle dans Bélial, fidèle dans Christ. Et puis, pour qu'on puisse comprendre qui ça a parlé, bien clair là, il dit, quelle part, dit verset 15 là, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ouais, il n'y a pas. Il n'y a pas qu'à même côté. Et pas ça. Et bien, ça, nous pouvons dire que ça en pile. Parce que dans notre temps, on dirait que les gens n'ont pas de différence là encore. Les gens sont mariés, fidèles à comment ils avec infidèles. Fidèles amis, infidèles. Et c'est le temps, son temps moderne lié. Et sous pas veillé, on prend le même coup là. Il y a des gens qui sont entrés dans la sauce. Pas un monde qui est entré, non? C'est la bouille qui est entrée. Est-ce que vous avez fait pour vous? Vous dans la sauce. Ou pas même dans la sauce. C'est là commencer à bouillir et vous dans la sauce. Et puis trop tard parce que vous avez consommé. Même mort que vous consommé. Vous dites, soit vous avez de l'eau chaude. De l'eau chaude sur du fer. Et puis vous avez un crapaud là-dedans. Crapaud a tout pris volé. Mais elle dit, soumets ton gros frère et ton crapon dans gros frère là. Non, bon, mais vous mettez sous du feu. Hein? Et tout ticrasse, pendant que l'eau prend température, crapaud a ajusté à la température là, jusqu'à ce que tellement ajusté, il bouille tête, il bouille tête, descend le wagon. Ouais, qui vous démarre avec vous. Il y a que des pouvoirs, vous commencez à accepter, bagaille que Bible a demandé ou pas accepter. Ou mettre qu'on commence à ajuster son bagonnet. Ou t'es dans ce sens-là, ou commence à consommer. Et peut-être que ça bagaille là dans ni zami, non, ni famille, ni zami qui proche ou, li pas d'exception. Des bons gens sont infidèles, sont seuls bagaille, bon, Bible a voyé pour faire avec infidèles. Dis-moi qui ça? Bah, l'évangile. Ah oui, ça bagaille, il y a encore Bible a voyé pour faire avec infidèles. Bible a pas voyé pour dans le marin de notion, pour nous baptiser petit Dieu. La Bible n'a pas demandé pour nous ne pas dire avec eux. Il y a des gens qui disent que bon, moi, je connais, pendant que je danse, je vais vous parler de l'évangile. Vous comprenez? Pas que quelqu'un peut dire ça et dans la Bible. La parole, ça, c'est la parole de l'évangile. Il y a quelque chose qui oublie si la parole est dans la Bible. Hein? Parce que le clair là, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ouais. Monde qui c'est petit bon Dieu, c'est le temple de Dieu. Monde qui n'est pas petit bon Dieu, ou bien infidèle, il fait partie de monde capable de résidole. Et puis, sous besoin clair, dans cette dernière, ça, car nous sommes, qui est-ce qui nous est de nous? Fidèle, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, attendez, qui est-ce qui est fidèle? J'habiterai et je marcherai, qui est-ce ça, au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ouais, peuple bon Dieu. Monde fidèle, c'est le peuple de Dieu. Et puis, si on est ou sont infidèles, ou sont fidèles, ou à flâner dans le temps infidèles, qui met ça à la Bible là-dedans, dans verset 17 là? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Hein? Question. Qui est-ce qui vous sortit dans le milieu qui est-ce? Fidèle de sortir dans le milieu infidèle. La Bible est radicale, oui. Pas oublier, n'a pas concernant la doctrine du changement. Nous avons 2 Corinthiens 6, 14, 17. Bible là son Bible changement, l'église son centre changement. L'homme d'ouvre ou suivre mon Dieu ou entrer dans la communauté du changement. Ok, nous avons mis un enseigne de Yoa qui dit qui marque centre du changement. Vous comprenez? Il dit sortez du milieu, séparez-vous du Seigneur. Qui ça dit? Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueille. Et puis il dit comme ça, ou sont fidèles, eh bien, on va être considéré comme c'est pas bon. Des bouts sont fidèles, mon Dieu, pas bon. Des bouts sont infidèles, qui est-ce qui va bon? C'est clair. Oh, si quelqu'un qui veut un verset pour ça, nous regardons, qui doit vous dire, Satan, c'est papa, Jean 8, verset 44. Jean 8, 44. Jésus-Christ dit, des bouts sont infidèles, Satan, pas bon. Bible, la parole, des bouts sont infidèles, Satan, pas bon. Maintenant, on ne peut pas parler avec vous, Satan, pas bon. D'ailleurs, on ne chrétien pas la supposé à petit, c'est parce que c'est triste pour ta triste, ou supposé triste pour un grand monde, c'est Satan, pas bon. On va pas ça pour un jour, on dit Satan qui parle, ouais, figure Satan, tout Satan en figure, allez, quoi que j'ai, on va quitter ça, ouais.
Je m'en parle en belle, non? Ouais, malgré son illustration, en bas, il va la guette dans les deux là. Hein? Je suis pas un croc, mais l'on dit croc, Dieu, où elle est entre nos jours. Hein? Il dit quoi, sortez de nuit 2, verset 18, je serai pour un père, vous serez pour moi qui ça? Des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ainsi, sous base de Corinthiens 6, 14, 17, qui pourrait avoir au mieux de changer l'ordre de Jésus? Changez-en. Deuxième période, vous pouvez changer l'ordre de Jésus, il faut changer son travail. Il faut changer le travail. Donc il dit, pasteur, et où est-ce que je travaille? Dans ma fête comme là, on va me quitter. Et la Bible dit que vous avez découvert Jésus. Donc il y a un changement là juste dans le travail. Il n'y a pas tout travail chrétien, pas chrétien cabran. Il n'y a pas tout travail chrétien cabran. Il y a un travail, comme vous prenez un travail là, son corps qui sale. Chrétien pas qu'à manger comme sale. Et moi qui dis l'argent pas qu'à odeur. L'argent pas sale. Parle avec. Ça c'est, vous connaissez quoi dimanche? Qui l'a l'argent sale? Mauvais business. Bon, toujours non. Facile, pas là. L'offre l'argent dans saleté. L'argent fait ou fait dans péché. L'argent fait ou fait dans désobéissance. Ou fait l'argent, mais son argent sale. Ah, mais explique dans la connotation créole là, sale parle de même bagaille tout le temps. Par exemple, on donne un monde en créole, on a un argent sale, résolu. Nous tout le monde, ça créole là, veut dire. Ça veut dire qu'il gagne pile l'argent. Non, ça son créole, veut dire. Frère Michel, il va voir. Là, il dit que ça n'est pas un argent sale, résolu. Et pas sale, l'argent sale, non. Son façon de donner là, n'est pas un pile quoi, oui. Ouais. Et Aïssé servit-toi avec l'huile pour exprimer richesse. Il va être là bien dans l'huile, lui. C'est pas vrai? Il va être là bien dans l'huile, lui. Aïssé servit-toi avec grosseur. L'organ weight. C'est symbole de richesse. Frère, mais non, ou bien grosseur votre lui. Tandis que dans la culture, nous avons des fois baisser votre pour capable. Et vivre en santé, mais gros ventre, gros babine, gros derrière, c'est symbole richesse. Et c'est symbole d'ailleurs bien marché pour vous-même. Nous voyons les gens qui là. Tandis que en pile côté, nous cherchons plus slim, plus lose weight, à l'anjim, en Haïti, dans la culture, nous, des bons mecs, des fins, à faire le pape. Par exemple, pape marché, nous avons un proverbe qui dit deux mecs, pas fait. L'autre trois fingers de son arsenal, c'est l'homme. Combien de monde qui compte Baïsa? Est-ce que c'est moi qui suis là, ici, là? Nous ne pouvons pas dire arsenal, c'est l'homme. Bon, non, je ne vais pas faire toi ce creux là avec nous. Il faut changer les amis, il faut changer le travail. On a le côté de nous, il faut changer le travail. Matthieu 9, verset 9, 13. Si je ne parle pas au verset, ça ne parle pas, mais ça passe pas à dit, je n'ai aucune autorité de quoi que ce soit. Ou c'est grand monde, ou c'est grand monde. Mais quand grand monde qui passe, nous tous, c'est grand monde Bible. Depuis la Bible a parlé, c'est grand monde qui parle. D'ailleurs, si vous voulez comprendre ce que Bible, c'est grand monde, c'est bon Dieu qui est derrière la Bible. Il y a eu les bons dieux l'ancien des jours. Ok? Matthieu 9, verset 9 à 13. On va écrire dans Matthieu 9, verset 9 à 13. Tandis que ça dit, de là étant, alors, de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Alors, c'est un monsieur qui prend impôt dans le monde. C'est directeur des impôts. On a été les DGI, ou bien ici c'est ARS. On est des gens qui prennent impôt sur le monde. Et le monde, ça, ou marcher correct sur lui-même. Pas de monde qui aime, mais le monde qui prend taxe sur lui. Ainsi, monsieur, ça a travaillé pour l'Empire romain, malgré que tu es juif, il t'a perçu taxe sur juif. Pour le compte des Romains. Et M. Saïssé, il était là. Il était publicain. Mon patron, parce que il paye tête, il fait un pile de bagages qui n'est pas bon. En tout cas, Jésus a mis des bureaux. Et il a mis monsieur, cet homme s'appelait comment? Mathieu. Mathieu tape travail comme publicain. Parce que taxe fait gros l'argent. Il y a un job de bois, il y a un job pour être connecté à bien. Mais Jésus passe côté Mathieu. Jésus dit comme ça. Suis-moi. Regardez ce que ça dit. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison,
Voici beaucoup de publicains et de gens de Moïse vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ait entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu. Au compte Matthieu, ça, c'est lui qui écrit l'évangile selon Matthieu. On s'est arrêté avant. Il était un directeur impôt. Jésus joint Matthieu sur le bureau. Matthieu aperçoit un impôt. Matthieu est un publicain. Et qu'on s'est arrêté. Et Matthieu, son homme, de côté de publicain, son homme qui a vivre de corruption. Les juifs ont parlé de Matthieu parce que Matthieu sont juifs qui travaillent pour occupants romains. Si comme ils ont payé Matthieu à passer, ils ont la chance pour que si un pot a été 100 dollars, Matthieu a mis 400, 300 pour lui, 100 pour occupants. Il y a quelqu'un qui est riche. Non, bon job. Moi, c'est qu'on s'en quitte bon job là depuis des temps. On a bon job, on fait l'argent. Quand on fait comme c'est comme sensible. Quand on fait comme c'est comme sensible. C'est peut-être ça que la Bible dit, là où est ton trésor, si c'est à ton cœur. Jésus-Christ a passé beaucoup de bureaux, Matthieu, dis-moi. Matthieu, qu'est-ce que ça veut dire? Suis-moi. Dis-moi, qui est-ce que Matthieu fait? Ou même quand on lit le bureau, dis-moi, qui est-ce que Matthieu fait? Qui ça fait? De quitter tout le bagage. Et puis sur Jésus. Matthieu n'a pas ni cahier, ni pas rien de notre bagage. Même moment, il resigne. Il démissionne. Combien de monde qui ont un mauvais job, là, il veut Jésus, il a quitté le job là. Il y a des gens qui ne connaissent pas les bagages dans la Bible là. Dans la Bible là, oui. Lorsque Jésus, il faut changer les amis. Lorsque Jésus, il faut changer le travail. Vous avez une question. Bon qui travaille un chrétien, bon qui travaille un monde, debout venir Jésus, soutenir notre travail, ça, il faut changer de travail. Allez, allez. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bartender. Bartender. Ou bien mon alcool pour boire mon sou. Ok? Bon. Qui ça? Club côté mon alcool danser. Ou venir Jésus et puis, et au cap. Contrebande sont gros français pour faire zéro tourner neuf. Contrebande sont gros français pour faire magouille, mettre comme la plus haut, les avantages, puis bas, les avantages. Contrebande, pas oublier. Contrebande. Mais qui ça? Ponya. Ponya, c'est créole pour usure. Usure, c'est français, hein? C'est l'on baille un petit cop. L'on investit un petit cop pour faire un cop qui dépasse son investir. Ou on est trop bénéfice. Pas bon. Ou on est pas bien droit. Bien équilibré. Bon, pareil ça a été chargé. Je ne vais pas dire que je suis professeur. Ou pas bien droit acheter une marchandise pour 100 dollars pour faire 10 000 dollars sur les noms. Gros, les femmes viennent sur le bagage ça. Bible, pas des bagages. Qu'est-ce qu'on dit? Bagages, ça, si on parle, il y a des gens qui disent ça. Bon, je ne vais pas entrer dans les manches de bagages comme ça. Je ne vais pas faire business. Je ne vais pas entrer dans les manches de bagages. Je vais vendre des primes. Et, regardez, c'est ce qui vit. Allez, pour actuellement là, gagnons gros business en Haïti. Mes amis, nous avons une nouvelle. Pendant un moment, earthquake, ça, quand le monde était ça, tu passé à la 14 août là. Haïti, oui, je n'ai pas de aide. Tout calda avion a été n'importe là. Il y a pourtant un paquet de bagailles. Dans les bagailles, moi, je vais équiper. Si bagaille, ça va jouer le monde. Non seulement moun yo bon, mais qu'on paquet d'autres moun qui t'a bon. Et jusqu'à présent, nous avons des gens
cap plein, je dis, mais pas manger nouvelle, son petit poulet là, on petit poulet là, besoin, on est poulet là, c'est en plastique. Vous pouvez vous n'avez pas, mais vous n'avez pas plein, vous avez même mesure, vous n'avez pas besoin. Son va être chargé, regardez, l'autant de monde qui veut nous produire ça, même manger, et pas de ça, besoin, juste son petit plastique pour mettre sous tête même quand dormir. Bah la grave, oui. Bah la grave. Alors, c'est, ça fait référence à ça, ce qui dit, hein. Dans le pays, nous, très souvent, là, il y a un peuple là, il y a un bagage, là, il y a un problème. En plus, le monde qui reçoit pareil, ça y est, mettez-le dans des poils, vendez-vous pour bénéficier. Ça a dû. Il dit, c'est méchant. C'est méchant. Quand on pile côté, on a un sujet, ça va avec lui. Mauvais travail. Mauvais travail. Quel que soit le mauvais travail qu'on a fait, et vraiment de bon Dieu direction pour dire est-ce que le travail m'a fait bon Dieu, non bon Dieu glorifie la donne. Parce que depuis son travail, non bon Dieu va glorifier, il faut quitter. Nous connaissons son code sensible, et pas tout le monde qui remet pour ne pas parler de ça. Il n'y a pas de monde qui m'étendre dans la ville l'église parce que bah, ça dérange. Dérange, mais c'est la Bible là, Matthieu son exemple. Ok? Et deuxième pareil que nous avons besoin de faire, troisième pareil que nous avons besoin de faire. Dans la doctrine du changement, non seulement il faut changer d'amis, non seulement il faut changer son travail, troisièmement, il faut changer ses dépenses. Dépenses. Quand les gens vont dépenser l'argent, ou pas qu'à dépenser l'argent, même Jean leur prend Jésus pour sauver. Mais on dit, quel droit l'évangile rentre dans la dépense? Ouais? Alors, quand j'ai rentré dans l'amour, moi, j'ai sipé, non, bah, j'ai sipé, 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 j'ai sipé. Et, mais en allant du 19 verset 1 à 10, et son autre public a été Luc, Luc, et pas Luc, non, et il a dit Zachée, mais non, dans l'évolution, c'est Luc 1 à 10. Nous, on y soit Zachée déjà, pas plus pour bien vite, pour montrer, d'après la Bible, non seulement l'on change, faut changer les amis, surtout changer, faut changer de travail, mais surtout changer, faut changer des dépenses, faut changer, je vois, c'est avec l'argent. Et pas l'on va dire 10 musulmans qu'on finit dans la transaction. 10% c'est pour bon Dieu lié, mais 90% il n'y a pas à dépenser dans le bagage qui va glorifier le nom de Dieu. Dans la Bible, lié. De 19, Jésus est entré dans Jéricho, traversé la ville, verset 1er. Et voici un homme riche appelé Zachée. Ah, Zachée a des gens plus grands que Matthieu. Qui s'est acheté? Chef des publicains. Au moment où ça s'achetait, il était le publicain des publicains. Ça veut dire que si c'est dans le contexte ARS ou bien DGI, Zachée c'est en forme de ministre. Il était dans la tête. La Bible a dit comme ça, mais il cherchait à voir qui était Jésus. Et puis la Bible a pris un peu comme ça, Zachée était un homme riche. Depuis la Bible a pris un peu comme un homme riche, qui sont venus passer. Il est riche. Il avait une connaissance, les riches. Zachée était riche, mais elle écoute tout. Même non, il y a son bon nom, Zachée est sorti de son nom, Zakaï. Zakaï, on dit Zakaï, il dit juste. Zachée fait avec mon nom, les vivre. Contraire à non, c'est dans le grand monde, il va récupérer ça, non, on l'a dit. Vous comprenez? Zakaï. Ben, Zachée, juste. Mais la Bible dit comme ça, il cherche à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas venir à cause de la foule, car il était de petite taille. À deux bas, il faut noter. La Bible a dit riche ou riche. La Bible a dit coût. Si la Bible a dit coût, coût. Soit la Bible a dit qu'il achète des coûts. Achète des coûts. Achète des coûts. Tellement coût. Le Jésus qui vient d'un côté Zachée, il a gardé la passée. Et Zachée monte un petit. Il courut devant, il monte un petit pied, un petit sycomore pour louer Jésus. Il est riche, mais il a un bail dans le cœur qui va. Il a un vide dans lui. Il a cherché Jésus. Puis Jésus levé les yeux sous pied bois. Il dit Zachée, descend. Bon, ça fait Zachée pas se tomber en bas. Parce que l'église a saisi, parce que Jésus n'a pas déjà rencontré avant.
Première fois, Jésus a montré. Jésus a dit que ça m'en dévait. On est qui curieux, qui a regardé Jésus. Il dit, t'as besoin de rentrer Jésus. Mais il dit, qu'est-ce que c'est fou là, péché, moi, rentrer dans le nom. Waouh, il m'a dit, sauté pied bois. Si comment pas un pied bois qui vous passe ça, non? Mais il dit, Zach était besoin de 6 moteurs en plus pour être capable. Oui, Jésus, parce que fou là, il est capable de marcher sur lui, parce que c'est des coups. Mais Jésus a dit, monté, il dit, Zach, on fait la foi. Et là, quand vous m'avez lavé, nous t'en osé. Jésus dit, Zach, il va aller dire des arts. La caille. Ça, c'est un bel point. Oui, l'homme cherche bon Dieu cherche autour. Et puis, Zaché, la Bible a dit ça descend rapidement. Il dit, Zaché, il faut que je demeure aujourd'hui à la caille. Zaché descend rapidement et recevra Jésus avec joie. Et pas besoin de monde qui critique mon. Parce que ça nous a dit ça. Les Zaché, ouais ça. Les gens qui ont Jésus avec les Zaché, tout commence à plein. Il dit ça, oh, papa Jésus a la caille. On est dans le sachet. Vous voyez, les agents pécheurs, bagouillés. Il est allé loger chez un pécheur. Il est dans le 19, verset 7. Oui. Jésus a la caille, Zaché, le chital. Beaucoup dit rien. Beaucoup dit rien. Et puis pendant que Jésus a la caille, Zaché, le chital, Zaché font un témoignage. C'est témoignage Zaché qui va aller changer les choses. Zaché dit, voici Seigneur, pas oublié, dans le troisième point, s'ouvrir, sous-changer comme petit bon Dieu, croire dans Jésus, il faut changer premièrement. Ou même quitter dans le travail, il faut changer dépense. Quand l'autre change bouger l'argent. Mais Zaché dit comme ça, Seigneur, je décide de ma baille pauvre moitié bien. Ouais. Je suis pauvre moitié bien. Qui fait que je suis généreux. Je suis suspendu volant. Et elle dit comme ça, tout le monde m'a été fait toi. Je suis pris l'argent pas pour moi. Je suis mettre l'argent. Comment? 4 fois plus. En tout cas, si yon moun te baye zache et yon kob. Zaché te prend plus sous mon nom que le dénoué. Zaché te m'a promet mon nom 4 fois plus. On doit te m'a promet la avec intérêt. Ou on s'est passé là, Zaché changer de pensée. Zaché pour n'y a pas de pauvre corps. Zaché pour n'y a généreux. Zaché pour te repentir. Repentance marche avec restitution. On s'est restitution lui. Qu'est-ce que la carte de nous a resté restitution lui? Alors, restitution. Restitution. Frère Fidel. Et qui ça? Le remettre sur les bras. Changement marché avec restitution. Imaginez, vous donnez un monde 10 000 dollars. Et puis après ça, vous allez convertir. Vous ne pouvez pas le payer, vous allez le convertir. Et puis, vous allez convertir. Qui sort dit? Oh Seigneur, merci du fait que vous me sauvez. Les choses anciennes sont. Oh non. Et qu'on s'arrive, frère, mais. Alors, on a doué, là, on convertit, après les choses qui sont passées. C'est pas qu'on s'arrive, non? Si on convertit tout bon, il faut remettre la gueule. Ou pas qu'à Hélène, ça, on compte 2, 5, 10, c'est passé tout le monde. Quand on s'arrive, il y a un bon 2, 5, 10, mais c'est là, il n'y a pas payé comme là. Les choses anciennes sont passées. Mon nom est sol. 10 personnes qui sont sol là. 500 dollars chaque semaine pour le bail. Et il prend première mère. Ok? Il crase le sol là, il casse le col. Et puis il convertit. Et puis il prie, et puis il dit Seigneur, ouais, pas de bon. Même vol, mon nom sol. Je te couvre, je prends première mère, je vais me payer. Même nous, merci, il fait qu'on change, je ne vais pas faire ça encore. Bon, prier. Ajoutez qui sa prière manquer. Remettre mon Dieu l'argent. Bah on a qu'est-ce qu'on va parler matin, même si dans l'école dimanche, je gagne dans la cam, qu'elle a voulu remettre. Il faut la remettre comme la rue. Et je fais. Matin, pas combien? Il faut remettre mon Dieu pour lui. On va signer 2 Corinthiens 5, 17, non, ce comme là. Oh, si toutefois vous ne parlez pas de comprendre ça, vous parlez là. N'a pas le concernant la doctrine du changement. L'église sont centre de changement.
Moun ki konverti, moun ave di chanje. N'a prouvé là avec parole bon Dieu comme support. Lors nous avons Jésus pour sauveur, il y a plusieurs arrêts qui ont changé. Nous même qui étions là depuis le commencement, qui serait bien changé? Bon, première, il faut changer d'amis, il faut changer d'amis. Deuxièmement, il faut changer de travail, il faut changer de travail. Troisièmement, il faut changer de dépenses. Et puis, qu'est-ce que nous? Quatrièmement, il faut changer ses plaisirs. Bon, ça va, nous avons dit, ça va, on va trouver là-dedans, non, parce que. On voit encore qu'on a plaisir, pareil comme on connaît, joy. Il faut changer ce plaisir. Je vais peut-être en lire pour même. Dans l'Exode 32, les Israélites sont en Égypte. Ils étaient supposés plier tout le plaisir égyptien. Mais pendant qu'ils étaient dans le désert, pendant qu'ils étaient sous le monde, dans l'Alpha, les 10 commandements, la loi dans les bon Dieu pour le peuple là. La loi, c'est constitution. C'est ça, mon Dieu, menté pour le peuple là, pour faire. Dans l'alliance que j'ai avec vous. Alliance de dit, moi je fais cela avec vous, mais ça m'a fait pour vous, mais ça vous fait pour moi. Bon Dieu, pas le peuple la parole. Et ça arrive le décalogue, les 10 lois. On sait le peuple a fait. Parole là, vous même bail. Le peuple a fait un carnaval en bas maintenant. Attendez ce qui passe. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas quitté. Donc, est-ce que vous avez dit ça? Ils ont quitté l'Égypte. Mais l'Égypte n'a pas quitté. Ils ont porté l'Égypte dans le cœur. Et il y a un serviteur qui dit comme ça. J'ai cherché l'Église, je l'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'Église. Dans le plaisir. Il y a des gens qui l'Église. Ils ont dit qu'ils ont converti, mais moi, j'en ai plaisir, non? Il y a des gens qui continuent à l'emballer. Même d'où balle. Balle. Dans ses collés. Bal. Il y a des gens qui continuent à aller dans plusieurs plaisirs du monde là. Fumer pour etc. Il y a des gens qui l'église qui continue à sourire à dormir. Mon frère qui dit moi ça parce que si je ne prends pas ta fille, je ne vais pas dormir bien, non? Mon frère qui dit ça. Même madame n'est pas de plainte, il va passer frère dans le temps, il va pas lever le bain pour il va même pas côté bateau dedans, non? Frère a souri. Nous sommes un grand frère dans l'église d'Haïti, Jacques Pelletier. Nous sommes obligés de camper sous Jacques parce que frère a tellement senti ta fia. Dernier dimanche matin, si vous manquez pas son aller mettre de bon côté, mais ça n'a pas du fait. Oh, j'ai un monde qui sentit ta fia, tout suer mon nom dégagé. Il y a un odeur. Autrement, monsieur, vous avez ta fia. Vous voyez, la carrière acheter ta fia dans un vase lampe. On est vers lampe, c'est gaz. Les gens ne sont pas ta fia. Vous pensez que c'est gaz dans votre carrière, gaz lampe. Vous êtes ta fia qui est là. Qui n'en vase dans le plat. Et puis, il y a des gens qui lisent l'évangile, ils continuent à chouquer ta babine. Ils continuent à chouquer ta babine. Voilà, quand ils m'ont dit, 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 encore avec vous, chaque tabac. Oh, et pas avec Aïs, ils m'ont parlé là. Il y a des gens qui m'ont dit, ça tabac là. Yeah. Des bons feelings, vous mettez l'étranger si vous, tout élément qui n'a pas battu dans le système, vous pouvez le faire, il faut s'entourer. Pour mes amis, de qui ça me parle encore là? Moi qui bagaille, papier joue hasard. Vous n'avez pas capable de bon Dieu pour nous jouer hasard, non? Parce que bon Dieu n'a pas capable de nous jouer hasard. Qui sont les? Merci, c'est Kiki. Je parle avec mon frère, il ça. Mais pas je bolette, c'est l'auto joué. C'est ça, hein? Pas je bolette, c'est l'auto joué. Et, ou on croise quelqu'un dans quelques sous-canteurs publics, et puis il campe, et puis il attend ligne, et puis il rappelle 23, 40, 50, 20, 30, 30, 0, vous comprenez? Et puis il attend qui boule, qui fait. Mais bon, on fait même une fois, parce que. Ou pas voulez me jouer, et si vous avez une église là comme là? T'as dit que vous avez une église là. Soutamment que vous avez une bolette, et puis l'église connaît ce qu'on bolette, mais allez à l'église là, c'est pas comme là. Depuis l'église connaît ce qu'on bolette, il va de bonne. Mais depuis l'église pas connaît côté comme là, sorti, c'est le frère qui a bâillé, l'église pas connaît. Mais si on frère d'une côté, on passe de qui connaît la Bible, il va. Vas, mon cher, dès que vous voulez lui sortir, oui. Vous faites 2 millions, il y a pas 1 500 000 euros, on est après taxe.
Deux le bail de 500 000. On va dire quoi ça? Depuis que la douce est dans le bol et qu'il veut nous voir avec un blague. Et qu'on est bon, plutôt pas qu'on est. Comme la va bien entrer dans la question, mais où qu'on est. Comme ça, dit non. Son corps qui est bon ou bien sale? Sale. Comme sale. Changez plaisir, peut-être la font gros veau d'or et puis n'a pas donné veau d'or là dans le désert là. Et nous, on s'apprend de l'écran avec eux, on s'apprend de punir, de tout, tout cela qui était tombé dans le plaisir. Quittez moi un verset qui pourrait être par rapport avec des fois changer plaisir. Dans 1 Jean 2, 15, 17, pour qu'on ait verset, ça dit même seulement à pleurer. C'est qu'ils ont dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et donc, on a parlé de le monde. Est-ce que la parole concerne le cosmos là, ou bien monde, ou bien système plaisir? Système. Plaisir là. Il dit quoi? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Après ça, il dit car tout ce qui est dans le monde, ouais, la cause, la convoitise des yeux, on comprend, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Il dit le monde passe, ses plaisirs, ses convoitises aussi. Ainsi, il faut changer ses plaisirs. Ou n'y a, je vais te poser. Bon, quel plaisir que petit bon Dieu, pas qu'à prendre, leur dit, ou pas qu'à bon Dieu. Bon, quel plaisir. Allons bas, bon toujours. Oh, avant de parler avec moi. Bon, quel plaisir pour pas qu'à prendre. Je vais dominer avec toi. Regardez, moi. Si mon domino pour me jouer, je vais jouer avec frère, avec seul, me songer. On était à Haïti dans l'église, nous. Et puis, on t'a fait tourner. Et puis, moi, on banque domino. Cap joué. Quand on fait dans le temps, c'est domino, on fait influent dans l'église là. Et qui sous table là. Moi, on est en Haïti, il y a bail. Ici, tout le monde, on est en pile parti dans le domino. On gagne, monsieur. Il y a un signe de croix, un bouquet. Et dans la figure. Et puis, il y a un convoi domino à terre. Pour agir, nous, pour aller chercher. Frère, t'as joué avec le monde. M'a passé, m'a gardé moi le monde. Sous table, il y a un domino à terre. Bah, frère, à genoux. Il y a des chiens. Et puis, il y a un petit pasteur. Pasteur, mes chiens. Dis-moi, comment vous m'avez senti? C'est maître chien. C'est maître chien. Si c'est maître chien, nous sommes papa chien. Donc, faut dire à la tête que lui, on va cacher tout ça. Mais surtout, il faut faire un peu de bagaille. Et puis, non, 30 minutes, 45 minutes, pour le service d'église. Est-ce que tu as un frère ça, à l'échelle de l'église, après que il se mette tout le babouquette pour lui, le monde après, écoute, son plaisir, il n'y a pas de mal à plaisir, non? Mais c'est à qui nous doit faire, à qui nous doit prendre la même. Bon, j'en veux pas et il y a des gens qui sont là même, qui ont témoigné. Les convertis radicales, ils ont quitté tout le bagage. Ils ont quitté tout le bagage. Et je ne sais pas si mais mon frère qui est là, qui a témoigné, il était un gros musicien dans un gros groupe qui a fait voyage dans plusieurs côtés. Et depuis que je suis converti, il a quitté le groupe là. Ça va être radical. Vous faites si vous voulez entendre le bagage? Oui, nous disons, quand ils ont été en esclavage, yeah. Est-ce que vous avez un temps, pour danser le bal et faire du travail? Et Père Israël était esclave en Égypte. Et il y a un petit côté de l'été. Il n'a pas eu de plaisir, il n'a pas de concernant. Malgré que le pape de liberté, il a fait tout ça, il a été refait. Mais il a fait quelque chose. Même esclave, il a eu plaisir, son mari est dans nous. N'a pas cherché le grand même. Même esclave qui était esclave en Haïti avant l'indépendance. La journée au travail, le soir obligé de battre pour dans ses rues. Si il n'y a pas de sérieux, il est pourri. Il a pourri. Nous avons un style chant, monde noir aux États-Unis chante, là, les Negro Spiritual, les Plantation. Qui sont les gens qui ont fait le chanté? C'est musique, c'est chant, oui, c'est plaisir. Oui. Oh my God, my Lord, oh my God. Et puis il y a quelques coton. Oui. Et bien, la Bible raconte plaisir, non? Nous c'est le monde qui. Nous avons besoin de plaisir, oui, pour nous survivre. Parce que l'homme a besoin de bail qui fait quelqu'un content. Ce n'est pas plaisir, problème. Non. C'est
comment prendre et qui sa provision pour plaisir. Et ça, la Bible, l'église pour un côté, comme si la Bible prendre l'église pour dire, je converti, plaisir, je fini. Non, non, par contre, ça, c'est si, mais, ça dit. Et non, frère, l'église vient de madame. Ok, ça, si, mais, on corrige ça. On corrige ça. Allez, quel débat, quel débat, le moyen là. On dit, elle est un frère l'église. Deux matins. Numéro un, on frère l'église, pas qu'à gagner deux matins. Et deuxièmement, gen bagay c'est pas plaisir seulement, yo yé. Li ka plaisir pour frère, ben, et péché, Bible a relié. Bible a dit comme ça, plaisir moun pran nan péché, li paraît douce dans la bouche, mais puis devant la âme pour fiel. Qui fait que mon n'a défini son plaisir, hein? Mais et bon plaisir que j'ai. Et frère Michel. Mon qui ça? Yes. Frère, je te combat avec les populaires en ville de l'église. Depuis que mon doué, mon en l'exil, tout profite de chuter. Il tout chuté. Parfois, ça, et bon, là, ma bonne bain, moi souvent. Parfois, quelqu'un qui me casse les codes, première question que je me pose, à qui mon dégât problème l'église là? Et parce que ça va arriver. Et mais pour répondre à la question, il y a une situation arrivée, je prescris 1 Corinthiens 6. Dans 1 Corinthiens 6, tu es un chrétien convaincu que tu es un voleur comme ça. Il y a dans l'église, entre guillemets, il y a un voleur. Les gens qui ont un voleur ont apporté l'apôtre Paul plein. Et de l'apôtre Paul. Parce que les gens savent que les gens doivent jouer dans leur côte. Oh, chrétien, comment tu vas jouer? Vous devez droit pour le tribunal. L'apôtre Paul dit non, 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 non. Pas faire comme ça. Il dit comme ça, son monde dépouille, quitte le bouli. Quitte le bouli. Remettre bon Dieu d'eau. Ça m'a donné le coup, il fait Michelin. Mais quelqu'un qui n'a pas de problème. Parce que soit le tribunal, ou le grand route, qui est capable de mener loin. Mais quelquefois, c'est ce route sans prend, oui. C'est bon Dieu pour d'eau. Et mais des fois, c'est bon Dieu obligé de remettre le dossier. Mais son plein de liens, frère Michelin, son épidémie, mon cap de danger. Et puis, mon nom de et puis, le maro est le maro. Ça, là, le maro. C'est qui dit? Le maro est ce qui dit? Ok, là, on a parlé de gros, tafia, du vin. Et pas oublier, la Bible a parlé de boire. La Bible a parlé de ça, enivré. Ou boire pour sous. Mais si, ou à l'autre côté, il y a un toast. Sous un toast, ou bon dit du vin. Et, il y a un niveau du vin qui. Et, pas oublier, gain du vin, c'est juste oinosio. C'est juste le fruit de la vigne qui va dans l'alcool. Mais il y a du vin qui a alcool, il y a du vin qui n'a pas alcool, qui n'a pas trop fermenté. Tant que la Bible a parlé concernant le fruit de la vigne, le vin, tant que dans nos cadres en Galilée, il y a des gens qui disent, Jésus-Christ, gagne-moi une tafia. Il est plein avec du vin. Pas oublié, le mot grec qu'il utilise, c'est oinos. Il n'y a pas de vin qui est alcoolisé, qui n'a pas de soupe, qui perdu tête, parce que c'est 20 minutes de bonne boîte. Mais toutefois, la Bible a parlé concernant l'enivrement. L'on boit ou perd une tête ou perd une conscience. Si vous perdez une tête ou perd une conscience, vous faites tout le mal parce que vous n'êtes pas conscient. Mais il y a un simple dos capable de bon problème. D'ailleurs, il y a même qui est bon pour santé. Nous avons parlé de Timothée, ce serviteur qui était compagnon Paul. Timothée, c'est ton aigle depuis le déchet.
la peine indisposée. Depuis Timothée a prêché, Timothée a tombé. Et puis Timothée a pris l'estomac. La porte de Timothée, mon cher, on s'est arrêté. Avant de prêcher, pour si ce n'est pas tombé devant moi, fais usage d'un peu de vin. À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Et si il y a un bon petit du vin pour question de santé, c'est bon. Mais la Bible raconte énormément. En parlant de ça, fait comme ça qu'on a parlé. Gros problème dans le bail mon corps, non, gros problème dans prêter mon corps. C'est bon Dieu qui peut aider pour avoir sagesse, pour qui ça peut faire. Parce que dans la communauté, nous avons bail mon corps. Parfois, nous avons senti une petite dignité. Parce qu'on bali. Pas tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui prennent, même si nous aimons prendre. Des fois, on bat au monde, on ne pense pas parce qu'on bat, on pense au supérieur lui-même. On bat. Des fois, on bat au monde en pile. Les gens ne viennent pas, ils ne parlent pas. Parce qu'ils sont que l'affaire n'est pas bon. C'est où tu es bat. Et ça, c'est bon Dieu qui peut aider pour qui s'en va faire avec les gens. Des fois, tout ce qu'on est, on prête les gens, et puis les gens ne vont pas remettre, ou capter les gens ne vont pas remettre, pas prêter, c'est ça qui suggère. Plutôt, bat plutôt. Et même dans Bali, là, c'est mon Dieu qui peut aider. Parce que dans Bali, là, son problème. Parfois, Bali, son problème. Prêter son problème. C'est mon Dieu qui peut avoir sagesse pour qu'on ait un bagaille et pour faire. Faites rapidement. Ça, oui, ça, tout ce qui est bon pile, mais ça que nous avons noté dans tout ça que nous parlons matin, c'est le fait que son bon point ce qui est soulevé, mais c'est pour Dieu qui peut être oui, pour qu'on qui ça pour faire. Non, domaine. Non. Imaginez, ma bonne expérience qui est tout simplement, mon frère, il m'a fait voir, pasteur, moi j'ai un problème là, j'ai besoin de $500 et prêter. $500 prêter. Dollars. Où on est? Moi, frère, avarai, mon Dieu, touché que. Je dis, frère, avant ça passer, moi, pas qu'à prêter $500, je barre $300. Et puis, frère, prend $300 non même. Après ça, le gratte tête, il dit, mais pasteur, $500, je n'ai besoin. Regardez, prochaine fois, on est comme ça, je vais fouiller maintenant, moi, je dis, prends comme moi. Mais ce qui ça passe maintenant, arrivé dans son dia. Mes amis, aidez, on a demandé prêter 500. Moi, Bali a cœur touché 300. Et malgré ça, le gars qui était dit, aidez nos frères, aidez nos frères. Regardez. C'est ça. Mes amis, on finit. Je n'ai pas un petit temps extra parce que je n'ai pas de temps, mais ça ne va pas empêcher que nous faisons tout ça que nous faisons. Ainsi, aidez-nous de matin. Doctrine du changement. Si bon Dieu change, qui peut me changer? Zamion. Alors, travail. Zamion. Deuxièmement, travail. Troisièmement, dépense. Quatrièmement, plaisir. Cinquièmement, pas que tu as abordé, c'est il faut changer ses affections. Il faut écouter les mains, il faut aussi se prendre les mains. Et verset qui marche avec ça, c'est Colossiens 3, verset 1 à 3. Les disons ça, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez vos choses en haut à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Moi, j'en ai un bon école de dimanche matin, hein? Mais ma place un exemple sur nous. Devinez qui côté de l'école de dimanche là. Ma douleur. La vérité qui libère. Est-ce que ouais? Maintenant, qui côté de l'école de dimanche là, c'est tout. Souvent, à l'heure passée, l'école de dimanche là, ou aller dans la vérité qui libère, dans page 117, étude 28, la vérité qui libère. C'est la donne, c'est ça que j'ai utilisé pour étudier avec vous matin. Et sinon, les gens la vérité qui libère, à libérer. Donc, il y a quelques copies toujours. Et même moi, mais la vérité qui libère, parce que le matin, nous avons une bonne leçon la donne. Et c'est une leçon qui pratique. Et depuis là, il y a un nom qui a couru. Même si on courit, même si on court, on courit, par exemple, on parle ou pas bon. Parce que la Bible a pris le cours. D'après le matin, on va vous prier. Seigneur, merci pour grâce, merci pour le temps que nous faisons ensemble. Nous faisons des services, nous restons avec nous pour que nous passions un bon moment. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Utilisez 2 ou 3 minutes pour qu'on puisse prendre le restroom et puis après ça, nous allons.
Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église, pour les prédicateurs de l'Évangile, et pour tous ceux-là qui sont impliqués dans le travail de Dieu, les théologiens également, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière. Que faut-il faire pour recevoir le toucher de Jésus? La mission de l'Église. Quand l'Église est en flamme. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954-515-2669. 954-515-2669. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer.